les Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire une FAQ. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et mon Instagram c'est Mavis, M-X-V-I-S-du-bas. Mon Snapchat c'est M-X-V-I-S-du-bas-O, donc Mavis O. J'ai fait un sondage et vous m'aviez posé certaines questions discrètes et indiscrètes. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire une revue sur les mèches qui me viennent de la marque Rose Air. Donc ils m'ont envoyé les mèches dans ce paquet là avec des petits accessoires qui sont super cool. En gros c'est des accessoires qui servent pince à épiler, brosse à baby hair. C'est bien fourni, regardez. En termes d'accessoires, ils sont vraiment là. Un petit... Il est fou ou quoi? Après il fait comme ça, il a gâché ma vidéo en fait. Coupé, je sais pas si c'est un rasoir, je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est pour faire les dégradés pour les cheveux. Une pince. Une pince à épiler pour customiser. Je vous mettrai le site Rose Air en barre d'infos. Donc là mon studio il est à peu près aménagé. Là je suis avec ma copine, on va aller en soirée dans pas longtemps. J'ai capturé toutes les questions sur l'iPhone. La première question: quels sont tes futurs projets? Donc je vais travailler plus tard dans les ressources humaines. Deuxième question: est-ce que tu es en couple? Moi je m'affiche jamais avec des mecs. Je ne montre jamais mes relations. Jamais, c'est très rare. Je vais faire quoi? Une fois sur 21 ans d'existence, les hommes, c'est un casse-tête. Ça me regarde. Go indépendant, c'est un site fiable. Go indépendant, oui, c'est un site fiable. C'est un site très fiable. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo concernant Go indépendant. J'ai un autre plan, c'est un jeu concours pour vous. Je vais vous détailler ça dans une prochaine vidéo. Aimerais-tu dépendre d'un mec? Oula, jamais. Never, never. J'ai fréquenté des hommes qui avaient de l'argent. J'ai jamais pensé à... il va me payer ci, il va me payer ça. Et tu sors avec ton crush, logiquement, t'aimerais bien qu'il te paye. C'est mignon, c'est cute, c'est une belle preuve, tu vois. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi je suis le genre de fille comme ça. Mon mec il m'offre un truc, bah moi le lendemain je vais le surprendre et je vais lui offrir un truc, tu vois. Les attentions qui comptent, c'est pas où il m'emmène ou quoi que ce soit. Après c'est bien, on aime bien se faire courtiser et tout, genre voilà, voilà. Mais sinon... moi je veux pas spécialement dépendre d'un mec. Je suis une femme indépendante. Même si je vais acheter un sac à 3000 euros, à 1000 euros, à 2000 euros, ça sera mon argent. Mon mec il peut me compléter, il peut faire le complément, mais j'attends pas d'un homme pour faire ça. C'est ce que les gens ils voient chez moi. C'est le premier truc, que je suis une fille super indépendante. Même pour le permis, genre je me suis dit à ce moment là j'avais un mec, je me suis dit mon mec il avait le permis, il pouvait faire mon chauffeur. Mais c'est pas parce que mon mec a le permis que je vais dépendre de lui et que je vais pas conduire en fait. Non, dans la vie il faut être indépendante les filles. Mettez bien ça dans vos crânes, indépendante. Des petits cadeaux et tout, on refuse pas. On refuse pas, vous aussi vous lui en faites pour lui montrer que vous n'êtes pas là que pour ce qu'il vous donne. Mais soyez indépendante. Si ce sujet là vous intéresse, dites le moi en barre d'infos. Quand date ta rupture amoureuse? Oula, ma vraie rupture amoureuse, dernière rupture amoureuse, c'était au mois de février. Le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs. Donc dites-moi. Inès fait une story time ou pas? Le jour de la Saint-Valentin. Et ouais, c'était, ça s'est mal passé. Très très mal. Très mal d'ailleurs. Et ouais, je préfère même pas en parler en fait. C'était le jour de la Saint-Valentin, c'était horrible. Comment j'ai fait pour me relever, tout ça. Parce que c'était très chaud. Mais genre très 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 chaud en fait. Je crois que j'ai jamais kiffé comme quelqu'un comme ça de ma vie. Quel conseil me donnerais-tu pour commencer sur les réseaux sociaux? PS, je t'adore. Merci beaucoup mon cœur, moi aussi je t'adore. Je te connais pas mais je t'adore déjà. Je pourrais te conseiller, sois toi-même. N'essaie pas de faire ce que les autres font. Inspire-toi des grandes personnes, des bonnes personnes surtout. Mais surtout, sois toi-même. Ne te donne pas un style. Et fais attention à toi, préserve-toi. Donc dans le sens où, tu vois, parce qu'en ce moment on est dans un monde, en fait c'est un cercle vicieux. Instagram surtout, on voit des filles à poil, on voit des filles en string, en maillot de bain, qui montrent leur forme, comme ça qu'elles attisent les likes et les follow et tout. Donc voilà, fais attention à toi. Essaie de te mettre en valeur sans paraître vulgaire, sans être vulgaire. Et voilà, pour gagner des abonnés, poste régulièrement. Il faut vraiment que tu sois réactive. Donc si tu es réactive, tu gagneras des abonnés. Ça, c'est sûr et certain, ma belle. Pourrais-tu nous faire un room tour? Oui, bien sûr. D'ailleurs, là, mon studio, il est quasiment aménagé, comme je vous ai dit. C'est parce que là, je vais aller en soirée avec ma copine. Du coup, c'est un peu, voilà, les filles, vous savez, quand on se prépare, on range pas trop. Quand je vais bien, je vais vous faire une belle déco. Enfin, une belle déco. Je vais arranger, quoi. Je vais ranger mon appartement. Et je vous ferai un studio tour parce que j'ai pas un appartement, un grand appartement. Je vous ferai un studio tour pour vous montrer comment j'ai aménagé mon studio, tout ça.
qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube? Qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube? En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de YouTube. Depuis mes 12 ans, j'ai toujours regardé YouTube. Surtout les londoniennes. Au début, je m'inspirais beaucoup, beaucoup des londoniennes parce que j'aimais beaucoup ce qu'elles faisaient et tout. Mais en tout cas, ouais, personne m'a poussée à faire YouTube. Genre, c'est pas une copine qui m'a dit, ouais, toi, je te vois YouTubeuse. C'est pas ma mère ou mes soeurs qui m'ont dit, ouais, toi, je te vois YouTubeuse. Ma première vidéo, je l'ai sortie à 15 ans. J'ai ma chaîne YouTube depuis mes 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, donc ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Mais bon, après, j'ai eu des hauts et des bas. J'arrêtais, je revenais. Mais en tout cas, personne m'a poussée à faire YouTube. C'est moi-même, en fait, parce que ça a toujours été une passion. Je me rappelle quand j'étais petite, j'achetais les Canon là, quand j'avais 10 ans. Hein. J'avais 10 ans, les gars, ma mère, elle m'avait acheté un Canon, bon, de bas de gamme, hein, mais de Canon, un Canon pour commencer les petites vidéos et tout. Je me rappelle, j'étais avec ma petite qualité pixel et tout, c'était trop mignon. Ouais, aujourd'hui, j'ai 52K, enfin, ça fait longtemps que je stagne parce que je sais pas, je suis plus comme avant, j'ai plus percé. Mais bon, c'est pas grave. Chaque chose en son temps, peut-être qu'un jour, je vais grow up et ça va venir d'un coup, quoi. C'est pas grave, on n'est pas pressé, c'est pas grave. Prochaine question, tu voudrais faire quel métier? Moi, je voudrais être chargée de recrutement. À quand ta première fois? Oula, là, c'est très, très indiscret, là. C'est très, très, très indiscret, MD. Ça me regarde. C'est des ouf, les gens. Première fois de quoi? De qui? De quel? Bah oui, je réponds pas. Quel est ton style de mec? Bah moi, mon style de mec, oh mon Dieu. Oh my God, on m'a insultée parce que j'ai fait l'erreur où j'ai simplement dit que mon copain était blanc. Il m'a traité de chienne. Ça, c'est notre histoire. Et moi, il m'arrive toujours des trucs. Donc, dites-moi si vous voulez avoir la story time du mec qui m'a traité de grosse chienne et de grosse salope et de vendue car mon mec était blanc. Donc, moi, mon style de gars, pour être honnête avec vous, c'est les blancs, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Donc, dites-moi en commentaire si cette FAQ vous a plu ou si vous voulez une FAQ vraiment fixée sur moi avec plus de conseils et plus de choses sur moi, quoi. Par exemple, un 20 faits sur moi ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une FAQ, quoi. C'est un peu tout et n'importe quoi. Mais si vous voulez vraiment focus sur moi, focus sur ma vie, il n'y a pas de souci. Moi, je suis une fille, j'aime bien garder mes choses un peu privées, mais vous êtes mes abonnés, donc je me dois de vous donner certaines choses, des idées par rapport à ma story time, ma rupture amoureuse, par rapport au mec qui m'a dit que j'étais une grosse chienne parce que j'aimais les blancs. Dites-moi tout ça je vous ferai des petites story time vidéo. Et je vous mettrai le lien de la marque Rosaire en barre d'infos pour que vous puissiez commander vos mèches. Gros bisous.